Et salut mes amis, bienvenue sur le stream. Aujourd'hui, on va jouer à Ghostbusters The Video Game. Je suis très content parce que ça fait depuis un gros moment que je voulais me le faire. Donc ce soir, voilà, on va partir ensemble, ce soir, casser du fantôme. Voir si on arrive à trouver le maître des clés, Bowser. Et puis on verra bien, quoi. Alors, Matt Grolley a récupéré Pat Juron. Oh là là, il va falloir que je dise pas de jurons pendant plus de 3 minutes, je crois, ou un truc comme ça. Allez, c'est parti, on lance le jeu ensemble. Alors, écran de jeu. En fait, je me suis lancé, mais je crois que j'ai même pas rajouté Ghostbusters à ma capture de jeu. J'ai un peu honte, je dois l'avouer, mais vous inquiétez pas. Voilà, tac, ça va se faire maintenant tout de suite, attention. Bam, magie du direct. On voit un guépard, je ne sais point ce que c'est. Voilà, allez, c'est parti. Cyber Interactive Entertainment. Ok. Ah voilà, j'allais dire, il n'y a pas de son, quoi. There's something strange in a humble world. Wow, c'est tellement réaliste. bon, on est parti, ça a l'air fluide. Nouvelle carrière, pourquoi pas. Oula, facile. Découvrir l'histoire et chasser fandom. Ouais, on va relever un petit peu le défi. Oh, l'ancienne. Ah, Dan Aykroyd. Ils sont trop bien faits, quoi. C'est les chiens des enfers. Just pick up the phone and call the professionals. Call the Ghostbusters. We're ready to believe you. Franchises available soon. Call for details. Whoa! Whoa! Hey, phantom! You hear the East Wing? Yep. By the new Ghostbusters exhibit? Yeah, why? There's something headed your way. Wait. Ça va, le son est bon? I hear something. I'm gonna take a look. Want to hear something really creepy? I was reading about Shandor, you know, the guy who donated most of the Gozer stuff. He was into the occult. Gozerien, quoi. Gozer. Mercurochrome. Why don't we talk about it some other time? Any other time. Hey, you can't be in here. Stop! Tac. Excellent. Ghostbusters. Écrit par Dan Aykroyd et Harold Ramis. Ah, d'accord, ben oui, en mémoire à Harold Ramis, tout à fait. Ghostbusters, is your haunting an apparition, poltergeist, phantasm, wraith, banshee, demon, spectre, tortured soul? What? No, we do not summon dead family members. Il essaye de trouver la carte. The combination to the safe. Yeah, well, same to you, pal. Ah, la zik est énorme, exceptionnel. Hey, it's the new cadet. Welcome aboard. Welcome this aboard. This might be a little dangerous. Great. Danger is our life. We'll start at 50% capacity. That should keep any burning or tissue damage to a minimum. Hey, if you're gonna burn any tissue, do it to the new kid. You can't use Ray. Our mortar. Mon Dieu, c'est moi ça. Je suis le nouveau. I guess he's right. What's your name again, kid? No names, Ray. Je m'appelle Ricola. I don't want to get too attached to this kid. You know, just in case. You remember what happened to oh, this guy? Vous me faites carnage là. Putain. He's tuned and ready to go. You may feel a little tingle. Tu m'as Good. Fait carnage sur le chat. We've perfected an extensive and rigorous training regimen that will teach you all your equipment's basic functions. It takes some time to achieve master throw skill, but it's definitely worth the effort. Oh, cette vague fantomatique. Was that us? I don't think so. Ray? Had to be some sort of psi energy pulse.
Substantial. A significant collected and centralized necromantic convulsion, level 7 or more. Agreed. We need EMF measurement checks now. Le pauvre, pourquoi il est enfermé, hein? I know the answer, but I'm gonna ask anyway. Is a level 7, whatever, bad or very bad? On a scale of 1 to 10, I would say... Let me guess. It's a 7. Let's just say we're about to get real busy. And that is not the fun kind of getting busy. Is it, Rick? Look out! Slimer's escaped again! No way to come back. Classe, on est carrément dans le QG, quoi. Énorme. Trop bien. Trop bien, quoi. Je suis un Ghostbuster, putain. La folie, quoi. Franchement, ça va, le jeu est... Le jeu est plutôt bien foutu, quand même, quoi. C'est pas la mort. Attends, moi aussi, je veux descendre à la... À l'échelle de pompier, quoi. What? Piou, piou. Attends, moi je visite. Je visite le QG, quoi. Oui, j'arrive, t'inquiète. Classe quand même la caserne de pompier comme ça. Ah, tu peux vraiment utiliser en plus l'échelle de pompier, quoi. Enfin, la barre, quoi, pour descendre. Ah, les revues cochonnes, quoi, non? Attends, c'est quoi? C'est vraiment un journal ou c'est des revues cochonnes? Alors, apparemment, c'est après le 2, hein. Parce que, regarde, il y a des revues de presse avec... avec le méchant du 2, quoi. Donc, c'est après le 2. Donc, en fait, techniquement, c'est le vrai troisième Ghostbuster, quoi. Voilà. Mais je crois qu'en plus ça avait été dit que techniquement point de vue du scénario c'était ça quoi. Handbook suggests you check out all significant alerts. Ok, c'est parti, je prends l'échelle. Yes. Trop bien. Pouah, je suis dans le bâtiment des Ghostbusters. Classe. Ah putain, ils ont récupéré la peinture. Vego. The stench of fear. Oh, you're too busy, huh? This place. Ah, il parle. J'avais pas vu. Au niveau du visage, il parle, regarde. The end is near. Ils se sont gavés. Gavage. Hello, Ghostbusters. Just one moment. I'm looking at your file. Alors, qu'est-ce qui se passe? On est parti. Ah, bouffe tout. There it is. It seems oddly drawn to the containment grid. He's been fascinated with it ever since you added the viewer to the unit. Okay, easy now, cadet. I'll talk you through this. Use the proton stream to get his attention. Oh, ces bruits. Le bruitage du jeu, quoi, mais... Whoa! That's some highly sensitive equipment you're disintegrating there, kid. Oops, you let one out? That's my fault. Ah, trop bien fait le fantôme. Your spatial gasket this afternoon. I'll fix it. You two get those ghosts back. He went into the sub-basement, and his escapee friend went with him. Come on, kid. We got a job for you. Taking the right precautions, Slimer's harmless. Ouais, on est bien près le 2, j'ai l'impression. Not sure about the other guy, though. Okay. Let's go get him. Let's go. C'est parti. Oh, oh and don't sweat the containment. Non mais la musique et tout quoi, mais c'est excellent quoi en fait. En plus le jeu vraiment est plutôt beau quoi. Enfin c'est un remastered quoi mais Now, first and foremost, before things get out of hand, you want to get to know your proton pack. It can be your best friend out there in the field. Everything you need to know is displayed on the pack itself. Here's where you keep an eye on your current ici, physical tu peux surveiller ta condition physique, d'accord. The bar, the more damage you can sustain and still stay on your feet. This bar indicates your pack's heat level. When it gets to the top, you want to vent the pack and keep it from shorting. Donc ça aussi c'est très malin en termes de gameplay, d'avoir les éléments. Sap them, cap them, and trap them. The first step is blasting a ghost to sap its energy.
Putain, j'adore ce bruit, quoi. On dirait que ça charge. Do it again. See that overlay on the ghost? It indicates the current accumulation of a ghost PKE. The more you disperse, the weaker it becomes. Putain, c'est pas facile à maîtriser. Ah, il faut que je le décharge, ok, je le refroidisse. Wow, en plus c'est bien parce que du coup tu casses tous les cartons autour comme dans le film, tu casses tout quoi, avec ça. C'est génial quoi. Oui, j'ai l'impression d'être un gamin de 4 ans quoi. C'est abusé quoi. Slimer. There it is. Ugh. And I thought Slimer was. Bon, le guide spirituel, d'accord. Cardinal errant de classe 5. Fantôme à piéger. C'est pas celui qui piège dans le 2, je crois, quand ils sont à la quand ils sont comment ça s'appelle devant le jury. Vous voyez de quoi je parle cette scène? Quand ils sont devant le jury et que t'as un espèce de fantôme qui débarque. Alors je me trompe sûrement, hein, mais... Concentration du rayon, réduction du recul, amélioration psycho, didacticiel... Ok. T'as pas vu Ghostbuster 2? Oh le mec! Aïe 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 aïe. Ah ouais, c'est ce que je vois, c'est un putain d'inculte quoi. Oh, le meilleur c'est le premier, mais le 2 il est excellent quand même, faut le voir quoi. Ah, alors le capturer maintenant. Comment je fais là? D'accord. Ah d'accord, je peux le tirer dans une autre direction quoi. Putain, c'est trop bien quoi. Ok. Merde, je l'ai laissé s'échapper. Ah merde! Putain, c'est chaud quoi! Ah d'accord, il faut le maintenir dans le cône de lumière en fait. And there! Oh yes! One escapee accounted for. Oh, and always remember to retrieve your trap. Ouais, au cas où, récupérer le piège. We're batting 500. Slimer slipped out. Our cadet bagged his first one though. A very nasty customer. Oh, and you've got to be very careful about crossing the streams. In a word, don't do it. Seriously. Stings like the Dickens too. Pas mal pour une première mission. How come this mump gets all the new stuff? He's our new experimental equipment technician. He gets a cool title too? It means he gets to carry around a bunch of untested, extremely dangerous hardware that, if not handled correctly, could blow him somewhere into New Jersey. Oh, this knucklehead lugs around our very dangerous prototype hardware that could potentially blow us into New Jersey. Thanks. Keep the title, kid. It'll work hard for you. Scooter, we need to go. Let's roll. Ok, donc là on va prendre la voiture. Putain, si je peux la conduire, c'est la folie. Where to, Ray? The Sedgwick Hotel. It's the first place that little spud will go. Right. Back to its initial manifestation point. Ah, trop bien, on retourne à l'hôtel où on a trouvé Bouffetout dans le premier, quoi. It is a great one. When Winston returns from the opera, extend an invitation to join us at our table at the Sedgwick. Hey, you! You're up, buddy.
Training will be on the job tonight. Try not to destroy too many Manhattan landmarks. That's our job. Ah, dommage, j'ai pas pu conduire la voiture. Je suis déçu. That disgusting green blob is up on the 12th floor again, wreaking havoc. I demand a refund right now. Sir, if you check the fine print on our invoice... Invoices. Right, invoices. You'll see that your warranty on rehaunting expired some time ago. You should have taken the extended service agreement. Et bonsoir et merci pour le follow. Coléria 92, merci à toi. Disturbances don't seem to be explicit. Bienvenue à la maison. Good. Dig up what you can. That little greenie shouldn't cause us too much trouble. Hey, Ghostbusters. Oh, Ghostbusters. Wow, c'est beau. Putain, on dirait chez moi, quoi. C'est magnifique. allez, messieurs, on avance. C'est très, très fidèle aux deux films, quoi, en tout cas. Hello. You're perfectly safe now, miss. The Ghostbusters are here. Oh, ce lourdeau, quoi. That approach rarely works with me. I'll show you why later. Allez, on prend l'ascenseur. L'autre, il a déjà les lunettes sur la tête. All right, Ace. Get ready. Dr. Stance, if you do the honors. Proud to, Dr. Venkman. Heart of our Je surkiffe ce bruit, putain. Proton packs must remain off in heavily populated public areas. And in close quarters. It minimizes the city's liabilities and satisfies the restraining order the maid here had put on us. World we live in today, you shoot a proton stream of highly charged particles at someone, they get all so happy. It's him! Oh putain! Il a tout fait brûler, quoi! Oh. Nice. Putain, les traces! Wow. Tu crois que je peux faire des traces? You'll get your shot, champ. Just a little patience while your accelerator depolarizes. Ça aurait été énorme qu'en fait à la fin t'aies des factures, mais que tu puisses plus payer parce que tu fais trop de dégâts. Mais par contre c'est génial quand tu... Ah, attention. Contact. Une 64 fruits rouges. Je vais voir ce qu'on a au frigo, je te la ramène. Faut demander à Matt, c'est lui l'expert de la bière ici. Right, showtime. Ou bouffe tout, au choix. We wear him out, then we capture him. That's what your proton stream is for. Ah, il est malin, il est retourné, hein. Il est retourné bien bouffé. Allez, c'est parti. Putain, j'ai fait carnage. Nah, I've seen this one already. Know how it ends. You two have fun though. I'll cover the elevators and escort any ladies safely to their rooms. Yeah, okay. And this signal looks just like your elusive little targeted entity. Bon, après c'est quand même vachement scripté. Hein. Your meter will flash and buzz when it detects a potential signal. The pair of goggles are linked directly to your active PKE meter. This lets you see otherwise undetectable phenomena while you track it. Ghost trails, object auras, all kinds of cool Belzébuth, c'est fort. C'est Now, fort, when Belzébuth the center bar peaks, you're headed in the right direction. When it's flat, ah, trop bien. Following a cold trail. Tu en as la bonne direction. Line the target up with the smallest circle for the best scan. Là non. T'en vises sur le signal, ok. Nope, losing the signal. Donc c'est par là, on est bien d'accord. Ah. Okay, ah oui, de l'ectoplasme. J'ai un chasseur, putain, ça y est. Way to go. Je suis trop fort. Red signifies a hidden ghost. Green indicates an environmental paranormal anomaly. Alors, le rouge indique un fantôme caché, le vert indique une anomalie environnementale et paranormale. Ok, le bleu, j'ai pas eu le temps de lire. Le bleu, c'est quoi, les gens? J'ai pas fait gaffe. Ah. On se rapproche. Getting warmer. On chauffe, ouais. Là. Warmer. Sa gueule. Cachette de bouffe tout. Ah, il était là. Il est là.
Ah, je peux acheter une amélioration? Allez, hein, trop bien. Concentration du rayon. Ouais, je vais acheter ça. Bim! Bim! Ça, c'est fait. Comment je fais pour quitter ce mode déjà? Ah voilà, comme ça. Wow, he's definitely been here. Putain, il a fait carnage, il a fait. Like a cursed artifact. We get paid extra for everything we scan and collect. Then we roll it back into research and development. The extra funds let us experiment with new equipment and offensive technologies, which in turn you get to wear on your back to test. Remember, you can always review the tutorials and equipment in your online Ghostbusters. Ah bah ici c'est comme ça. C'est comme ça. All accessible from your PKE meter. Alors désactiver, vous pouvez équiper votre rafale effluve. Ok, c'est bon. Peter, come in. You okay? Uh-oh, man down. We've got a man down. Go, go, go. Il y a beaucoup de choses qui sont nos femmes, nous les mecs. Double time, cadet. C'est comme ça que ça marche. Ah, je peux sprinter. D'accord, faut que je maintienne. He's been slimed again. Hustle over here and help him up, will you? How did this even happen? I was covering the elevators. That mutant Stromboli snuck up on me. God, the fire again. When one of us goes down, we always help each other out. It's all about teamwork. Ah, c'est notre PC, nous. That was back. PC Master Rasonly. Right now, it's all about payback. You guys need to get down here immediately. Our live-in science experiment is tearing apart the lobby, and he's not alone. More ghosts? But we gave this hotel a clean bill of health 5 years ago. New people die every day. Call the elevator, Junior. Retourner dans le hall, ça veut dire prendre l'ascenseur, c'est ça, ouais. I'm not taking the stairs. Today's not my cardio day. Allez, en avant. Je suis très content, franchement, le remastered graphiquement est bien, quoi. Il est vraiment très bien. Il faut que j'appuie... Ah, voilà. Oui, puis c'est pour nous, c'est vrai, moi aussi, mon PC, c'est mon homme. All right, Slimer. You've had your fun. The elevator's off limits. Egon, come in. I think we're stuck in the elevator. We need some help. On est moins bloqué en termes de choix sur PC que sur console. Sur PC, il y a vraiment, vraiment beaucoup de trucs. Think we're stuck. Ray, you guys good with officially stuck in the elevators? Show of hands. Here it comes. Ah ouais, non, i5, c'est pas du Master Ross. Kill it, Ray. Need a hand? You always fail, don't you? Il est là! Il est là! Putain, ça va être un carnage. Ah, il y en a d'autres! Never mind the onion head for now. The ghost with the red cap is fighting hard the whole station. Oh! He's a New York bellhop. Just... Ok, donc il faut pas croiser les effluves. Oh, ce carnage! Ok, donc il faut vraiment tout le temps se déplacer en fait, quoi. It's a whole swarm. Play it out. Boom. We need a trap here. On your left. Ok, donc là il faut que j'arrive à le conserver dans le cône de lumière. C'est bon. Now where? Just missed you. Bien, correct. Stirred the nest. Man, this lobby is so wrecked. Can we please call Winston and tell him his night off is officially ended? Vous moquez pas de son PC, il est content. Avant, il avait de la merde. Là, au moins, il tourne son PC. Il est correct et il peut jouer avec nous, quoi. Le son est pas trop fort. Faudrait peut-être que je baisse un petit peu, non? Je vais baisser un petit peu. Même moi, je le trouve peut-être un petit peu fort, là.
Follow me. Ouais, voilà, là ce sera mieux là, je pense. Bankman, you two pull our friend Slimer into a trap as fast as you can. There's a massive bulge in these spikes indicating this isn't just some routine clearing job. He gets so... Non, t'inquiète, on est sourd, mais lol. C'est la vieillesse. Allez. On ouvre, les gars, non? Alors là, j'ai pas dû suivre un truc. Ou j'ai pas entendu quelque chose, je sais pas. Non, faut que je récupère mon piège. Avec vos conneries... Avec vos conneries, j'ai pas suivi. Oh, putain, les dégâts qu'on a fait. Aïe. Putain, on a tout défoncé, quoi. On a tout défoncé. Ah merde, 28 dollars de casse. Pouah, d'accord, donc tu peux faire monter ta facture, en fait. Ouais, je vais faire attention. Je vais me calmer. D'accord, vraiment comme dans le film, quoi. Honey glazed ham and prime rib. There, the Alhambra ballroom. No way he could pass that up. Absolutely not. You can't go in. The Rodriguez bar mitzvah is set to start in half an hour. I'll bet the beef brisket is today's special. Oh, on va faire carnage. La pièce, on va la défoncer, quoi. Thing will just go away. I'm willing to risk it. You're not going in there. That's all we needed to hear. All right, we're out. Coffee time, everyone. Service has been declined beyond this point. Heureux. Sounds like the Alhambra's off limits. The schnutz, you say? Nobody slimes Pete Venkman twice. Si tu veux discuter un peu plus aussi, Coléria, on a un Discord qui est à disposition. T'hésites pas, il y a le lien dans la description. You bring your apron? Tu as apporté ton tablier. The Alhambra should be right through here. Hello, chef. Ah, les cuisines. Ah, ça va être un carnage. Okay, champion. You lead for a while. Ah, j'aime bien, ça fait vraiment chasseur de fantômes. Oh putain! Manifestation, manifestation! Oula! Don't touch the slime. It's slimy and it's extremely dangerous. Ah! Substance paranormale. Putain, j'entends des bruits, quoi. C'est le fantôme, ça. Fais voir le guide spirituel, qu'est-ce qu'il me dit? Substance caustique de classe 1. On rencontre le slime noir où se croise le monde réel et fantomatique. Substance dangereuse formée d'ectoplasme. Ok. Le slime. Cavalier du Rouen. Cavalier du Rouen. Oula! Oh, normalement j'aurais dû crever là, mais c'est pas grave. Manifestation, manifestation fantomatique. Ah, putain, je peux pas passer. Faut que je fasse le tour. Pardon. Il est là, il est là, il est là, il est là. Je l'ai vu. Putain, il a mis des couteaux et tout, regarde sur le côté, quoi. Des deux côtés, il a mis des couteaux pour pas que je passe. Putain, comment on fait? Il doit être dans les environs. Il est là, il est là, il est là. Ok, je dare you. Everything but the kitchen sink. Il a arrêté de tirer pour m'éviter quand même.
S'il nous envoie des poissons dans la gueule. Je suis en train de tout casser, il y a ma facture qui augmente quoi en haut à gauche. Alright, check this out. To trap them, you've got to grab them, and to grab them, you use the other half of the proton one, the capture stream. Alors, utilisez votre effluve de capture pour déplacer cet obstacle. Ok, donc tac. That's all there is to it. You just throw ah, it cool. Anywhere. We don't stick them out and clean them. Pas mal ça. Je vois des couteaux lancés partout quoi. Voilà, respectez les règles de sécurité s'il vous plaît. Voilà, pas comme ça, mais comme ça. Ok, présence de slime. Donc là c'est là où j'étais tout à l'heure. Il y a du pain qui n'est pas cuit. Ah. Oh, le bonhomme Michelin. Bibendum chamallow. Oh, du poulet. Du poulet. Là j'ai rien. Bon. Il est où, Venkman? Venkman! T'es où? Ah, il est là. D'accord, en fait, je suis allé trouver un secret, quoi. Enfin, un secret, vite fait, vite dit, quoi. Oh putain, la salle de réception, le carnage. Si t'es pas bête, tu sais ce que veut dire mon pseudo hein, au lieu de clash. Aïe, ah, vous clashez pas s'il vous plaît. Vous clashez pas, faites-moi plaisir. Ne vous clashez pas. Après, ce genre de choses, ça se règle sur, sur Brolala ou... Oh mon dieu, la pièce montée. Non. Would it kill him to mix in a green salad once in a while? I'm gonna take back it. Aïe, putain, il m'a carrément tiré dessus. Oh, oh le gâteau. Oh, il a explosé le gâteau quoi. Putain, il est où? Il est où ce con? Je l'entends, je l'entends. Je vois la table bouger, regarde. Je vois la table bouger, il est là, il est là, il est là. Good, good. That's it, buddy. You've got the monster breathing hard. On casse tout quoi. Il chauffe trop, il chauffe trop. Ah, ça y est, je l'ai. Voilà. Hop, je jette mon piège. Et voilà, et je le piège. Et on est parti. Wouah, je suis un vrai chasseur de fantômes. Prenez-en de la graine, messieurs, dames. Et voilà. And by extension, you. Yes. Perhaps a place sitting disturbed. Quelques couverts sont détraillants, mais je crois que tout est prêt, quoi. Putain, on a défoncé la salle, quoi. The bar mitzvah. What have you done? The guests are arriving in 15 minutes. Le parquet qui est brûlé et tout, quoi. Entirely ghost-free environment. So, you're welcome, huh? And, to the Rodriguez, l'chaim from the Ghostbusters.
Je veux savoir si c'est tout en marrant, quoi. Oh, avec le sourire. Oh là là. Alors. Ok, impeccable. This is terrible. Nice of you guys to join us. You grab the little spud? Ray, we need to have a heart to blob talk with this one, or we are going to have disinitiation. Uh-oh. Heads up, your initiation is over. Oh, putain, c'est reparti. Now give us a hand. We've got a couple of really persistent troublesome spirits here. Ah, j'allais dire, il est voyou, quoi. Ah, carrément, on me jette des tables à la tête, quoi. Could be trouble. Wow. Je me suis fait défoncer, quoi. Je m'y attendais pas. Re, mec. Ils sont côte à côte. Wow, il t'envoie des objets dans la gueule quand même. Hein. C'est... hop, hop. Allez. Ah ben, tout le monde lance ses pièges. Allez, Eden. Hop. Ça c'est bon, c'est fait. Encore un! C'est pas possible! Reste ici! Ah ben oui, c'est pas moi qui l'ai envoyé. Putain, je morfle quoi! Oh mais merde! Pourquoi c'est moi qui prends tout dans la gueule, quoi? Eux, ils tombent jamais, eux. Boum! Boum! Yes! Attends, faut que j'achète une amélioration, on va voir ce qu'il y a. Alors, réduction de recul, psycho... Recharge psychotens, piège éclair. Ouais, j'ai assez pour acheter ça. Augmente la vitesse d'aspiration des pièges. Ouais. C'est parti, j'achète. Ouais, ah bah oui, la facture, là, j'ai pris cher. Si tu me dis ce qui s'est fini, signifie, pardon, je te dis ce que signifie le mien. Ah ouais. Mais tout le monde s'en fout de ce qui signifie le tien. On sait juste que t'es gros et laid, quoi. Ah, putain, quoi. La légende du pseudo Rolé, quoi. Putain. Bon, mais je pense qu'on est bien là. No need to worry, sir. As you know, the mayor rode to office on a strictly pro Ghostbusters platform. We now invoice the city directly for all captures and eliminations. And unhaunted New York is a tourist-friendly New York. No, but damage. The mayor and the city have taken out an extensive insurance policy as well, so you're covered. Honestly, I'm sensing some hostility here. Perhaps we should just leave the ghosts here, if that's what you would prefer, sir. No! No. But please, be discreet. Discretion is our professional watchword. Hands up! Oula! Whoa! Where did he come from? I suppose we should go after him, unless you want to discuss it first. Cadet, go with Dr. Spengler. Check out the angry fisherman. Le fantôme du pêcheur. Allez hop. C'est bien, ça nous permet de jouer vraiment avec chacun des Ghostbusters, ça c'est cool. Tout le monde a des caméras chez lui. Looks like he's drifting upstairs. Même moi j'en ai. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait le fantôme? Oh, il est classe.
Phantom Pêcheur. Putain, il a détruit l'escalier, quoi. Tu dois avoir les miennes aussi, cachées dans ton salon. Oh putain! Activité à fond! Activité à fond! Fais voir les artefacts que j'ai eus. T'en as une dans ma chambre, c'est pas possible. J'ai refait la peinture des murs, j'ai rien vu. Oh non, j'ai pas vu. Oula! Manifestation! Putain, l'hôtel, il prend cher! Il y a une baignoire qui fuit, il a dit. Ah, génial! Ah putain, il y a carrément du corail et tout, quoi, s'il te plaît, regarde! Énorme! Putain, j'adore les bruits, on dirait que je suis dans un... bateau, quoi. C'est super bien foutu, quoi. Tu sais, on dirait un bateau en bois, là, qui travaille, quoi. On dirait que je joue à Sea of Thieves. Cours. Je me fais attaquer par un chandelier. Ok, je crois que je vais être obligé de me casser de là. Mais non, pas un sous-marin. Ah, encore. Oh, les chandeliers qui marchent au plafond et tout, quoi. C'est nawak. Attends, là j'ai... Voilà. Ouais, c'est vraiment un... C'est vraiment un jeu d'aventure sympatoche, quoi. C'est, y a pas vraiment de difficulté. Je regarde si les chandeliers ils bougent ou quoi, mais. Je m'en rapproche. Je l'ai. Ah. Alors. J'y crois pas, les chandeliers, quoi. Alors j'ai pas connu la version de base du jeu, mais en tout cas le remastered est très joli à regarder. Et c'est surtout plutôt fidèle au film, quoi. Donc pour un jeu gratuit sur Epic Games, franchement je suis très très content, quoi. Attends, il faut que je me casse de là. Oh, je douille. Je suis pas assez bien payé pour faire ça. Mais ouais, là, merci de m'avoir prévenu, Chris, franchement.
C'est super parce que ça faisait vraiment longtemps que je voulais le faire celui-là. Tu vois, donc je suis plutôt content. Bon, apparemment c'est tout droit. Ah ! Il est là ! Dégage. Et Blair ? Comment ça, et Blair ? 30 balles, c'est 30 balles. Qu'est-ce que tu racontes, Coléria ? Ah, Blair Witch ! Je l'ai pas pris, Blair Witch. Je l'ai déjà sur Steam. Je l'avais acheté quand il était sorti. Je l'avais fait quasiment à moitié. Et après, le truc qu'il y a, c'est que j'avais dû déménager, donc plus de fibres. Et voilà. Et un an après, là, je viens à peine de récupérer la fibre, donc voilà. La folie. Oh, il est joli ce bar. Il est là. Bon, je m'en fous si le maire prend en charge les dégâts. Si la mairie prend en charge les dégâts, je vois pas le problème. Oh, tu fais défoncer. Putain, mais je meurs jamais en fait. Ça me fait rigoler quoi. Ah, ça y est. Good work. Are you all right? Nice going. You might really be the right person for this job. Yes, you have destroyed a significant section of a five-star New York hotel. Genre c'est moi qui ai tout démoli quoi. Your mother and I are so proud. Aren't we, Egon? Ta mère et moi sommes si fiers, pas vrai, Gon? Quel enfoiré, quoi. Ah. Je brûle, je chauffe. Bon. Wow, c'est quoi ce machin? Et des crabes et tout. D'accord, il faut peut-être lui enlever tous les objets en fait qu'il a sur sa gueule. Oh, je me suis fait déchirer. Et là par contre je suis à terre, au secours. Merci. Ah par contre lui aussi il est à terre. Ah, j'arrive. Ah mais il s'est déjà relevé. Merde. Attends, j'arrive. J'arrive pour te sauver. Wouah. Oh. Il faisait combien à l'époque sur Steam le jeu? 40, 50, je sais plus. Mais ouais, je l'avais acheté le prix fort en tout cas. Il se relève, ouais, ça va, il se relève. It's losing strength. Keep tearing it down. Oh. Vite, sors-toi de là. Ah. Ok, ils ont déjà envoyé le piège. Putain, je le tiens plus. Putain, oui, il est puissant. Il faut que je lui mette la pâtée là. Voilà, là, il a affaibli là. Je vais y arriver. Putain, il est...
ultra chaud quoi. Putain, il regagne en vie quoi, j'hallucine. Allez, meurs, putain, c'est pas vrai ça. Voilà. On est bon là. Putain, on l'a pas eu. J'hallucine. Voilà, je vais mettre le piège ici. Allez. Yes. On a détruit le restaurant, quoi. Happens every day, right? Anybody here from Zetamore? Les cris sont tous au chômage. Ouais, mais c'est le prénom qui veut ça. C'est le prénom. Les gens n'acceptent pas les cris dans le monde du travail. We had to make do with this new specimen here. I've been trying to get here for over 4 hours, Peter. Traffic is a little blocked right now. Wait. I know that thud. Winston, what do you see out there? It's big. It's clean and soft and white. C'est gros, moelleux et blanc. Oh non, Bimendum Chamallow. No, this is not possible. Not here, not now. Putain, il a été libéré lui aussi, quoi. Oh non. Ouais, c'est vraiment du fan service, hein, quand même. Ce gros tas de... Ce gros tas de merde, j'allais dire, mais... Ouais, donc effectivement, c'est bien la suite du 2, entre guillemets. Ah, il y a même le Black. Ray, weren't you gonna finish up the install of the Super Slammer today? Excellent, la scène. Tacky and exciting, I'm in. Will it work? Against the minions of a god, that was never the intent. But in theory, I suppose it could. But a muon trap of this capacity has never been used or even tried before. Uh-huh. And why would that stop guys that don't know any better? Yeah, man. What are we? The FDA? Ah, 28 ans. Où sont les miens? Et où sont ceux de Matt? Où sont les 28 ans de Matt, messieurs, dames? Ah, il rigole, il est trop beau. Get moving! This residue is animating. Morgan, help us! Oh, les chiens de l'enfer. Well, there's paranormal physiology for you. Always something in your stomach. Nettle some little yarpers. Yep, they look so darn tasty. Blast them! Putain, c'est dommage qu'on ait pas eu du doublage en français, quoi. Ça aurait été cool. J'aurais tellement aimé, quoi, le doublage. Avec les vraies voix du film, ça aurait fait bosser les doubleurs et tout. Ça aurait été terrible. Wow. Ah, on va pouvoir passer là du coup. Multiple class 5 FRBs inbound. Ray, prepare the muon trap. Switching on the muon trap. Qu'est-ce qu'il fout là lui? Oh yeah. Favorite stuff. Switched on muon. J'arrive les gars, j'arrive. Voilà. Oh, trop bien. Je commence à être un expert. Look out, above you.
They're bringing some thunder. Attends, il y a Venkman qui est au sol. Voilà. Oh! Somebody will show up. Find some cover. Run! Good, good. Now just bring him in. We don't have that one in the database. Ha! Putain, reviens ici, toi. Allez, le piège, on s'ouvre. Voilà. Putain, il est sorti, j'y crois pas. Oh. À l'aide. Ok, personne ne vient m'aider. Ah si, quand même. Putain, il m'a échappé, je suis deg, quoi. Vas-y, on est bien là. On est bon. Vas-y. Hop. Help me. Now bring it in. Putain, j'avoue quoi, l'adolescence PS1 et bière quoi. Bon, moi j'avais pas la bière mais et c'est toujours ça à prendre. Soul River, Metal Gear Solid, Resident Evil, tout ça quoi. Des jeux PS1 dont personne se souvient aussi. Des jeux de combat avec des polygones complètement bizarres quoi. Ce jeu de combat fabuleux, War Gods, je sais pas si vous avez connu. Tu peux pas faire mieux que ça, c'est pas possible. T'avais des espèces de dieux bidons là, genre Anubis et tout là, enfin Anubis c'est classe, mais là dans ce jeu il était bidon quoi. Putain, alors je fais attention aux espèces de petits chiens là ou je sais pas quoi. Voilà, viens ici. Voilà. Ça c'est fait. Hop. Ah d'accord, j'avais pas compris en fait. Je peux utiliser le piège ectoplasme sur la voiture en fait. Au moins comme ça je tire pas le mien quoi. C'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Ah pas mal. D'accord, moi je les capture direct. Putain, surtout ne me dites rien dans le chat. Hein. Putain, je compte sur vous pour m'aider, mais non quoi. Je vois encore qu'on a la communauté qu'on mérite quoi. Ouais, comme d'habitude quoi. Alors j'ai pas d'argent, j'ai pas assez. Faites-moi des dons pour que je puisse acheter des améliorations de psychotensiomètre. Il me faut 5 000 $. Voilà. Vous pouvez aller sur Tipeee. Hop, ouais, j'achète. Alors qu'est-ce que vous marquez un peu sur le chat hein. Tiens, on va faire une pause. On va faire une petite pause. Oh, parce que je commence un petit peu à avoir mal au dos. Tac. On va se mettre en intermission. Tranquille, tu vois. La classe. Je sais pas si ça marche comme ça. Non, ça marche pas comme ça. Ça y est, je peux plus sortir du jeu. Ah si. C'est pendant un instant, je me suis dit non, ça y est, c'est fini. Voilà. Tu vois, tranquille comme ça. Ah. À boire. Oh putain, tout le monde paye à boire. C'est... à la comment il s'appelle, putain, le mec de... Ah, de... Comment il s'appelle, déjà? Je vais y arriver. C'est pas Sean Penn? Non, pas Sean Penn, autant pour moi. Simon Pegg, pardon. Pff, je suis fatigué ce soir. C'est toujours avec la tasse à café. Comme ça, quoi.
Qu'est-ce que c'est bon l'eau. Ah, c'est tellement bon l'eau. Ce goût si prononcé du rien. Alors le défi de la communauté est terminé. Démon Grolé, 6666 points. Bravo, bravo, vous avez réussi à le vaincre. Félicitations. On parle plus qu'on regarde le stream. Mais c'est fait pour. C'est fait pour. Oh, mon dos. Mon dos. Bon, allez, on se remet sur le jeu. La pause a assez duré. Et voilà, c'est reparti. Hop. Alors. The super slammer. Throw all the ghosts you capture at the slammer. You can relinquish. La ville est dans un état. Something significant behind us. What is that? Am I hearing wings? Oh putain, qu'est-ce qui va arriver? Oh, une gargouille! Une gargouille, les amis! Bah, t'as pas eu accès parce que Chris, il a tout défoncé tout seul en fait. Il a pas compris la nécessité de pas. Comment ça s'appelle? De pas flouder en fait les récompenses. Donc, c'est pour ça que je serais obligé de refaire demain. Un nouveau boss, quoi. Voilà. Pour que Chris puisse à nouveau le flouder, tu vois, comme un homme. Look out, above you. Magnifique. Hey. That was a game. Ghosts and gargoyles. A game we played when I was in the seminary. Ghosts and gargoyles. What dink game didn't you play? Do you have your eight-sided dice with you? Oh, j'ai un mec de chantier, j'ai un fantôme de chantier devant les yeux, quoi. Ouais, mais le boss demain, je vais le mettre avec un level beaucoup plus haut, quoi. Genre un truc que tu puisses pas farmer en 3 jours, quoi. Ah d'accord, il nous tire carrément dessus, quoi, l'autre. Tiens, ouf, ça s'est fait. Oula, mais tout le monde est mort, en fait. Attends, j'arrive. Ça va. Je suis là. Je suis par terre. 50 000 PV, comme ça, il dure un minimum de temps. Ouais. Ah bah non, mais ça va, t'inquiète. Je vais faire ce que tu me dis, pas de soucis. Je suis là, Vinkman. Wouah, y'a du monde, là. Putain, la gargouille, elle est chaude, en fait, à tuer, là. Encore, il est à terre. Sérieux, mec. Il est... Franchement, le jeu est plutôt bien fait, quoi. Oh. Attends, celle-là, je l'ai senti passer. Et voilà, ça c'est fait. Hein. J'arrive. Look out, above you. Hey, over here, little help. Yo, little help. Boom. Hey, over here. Exceptional. Lui par contre, il est vachement puissant, ce fantôme là. Et des fois on dirait qu'il tire au pistolet à clous, je sais pas quoi. C'est ses armes en fait. Et voilà, dans la boîte. C'est cool la chimio, t'as l'enfoiré, mec. Arrête, t'en sais vrai, quoi. Attends, la pauvre, elle est réellement en chimio, quoi. Et toi, tu lui sors ça, quoi. T'as l'enfure.
Oula, vas-y, écrase-moi, je te dirai rien, quoi. We need to find a way around this mess. See, it's either you or Egon, Ray, or Winston. Ah, c'est Winston, le black. J'avais zappé. Enough of the marshmallow parade. Let's go see if we can find us a shortcut. You with me? Spooky and clothesline fresh. Ok. Oula! On dirait que je joue à Phasmophobia là. Are you kidding me? Haunted laundromat? Une laverie hantée. C'est vrai que ça fait un peu craignos quand même. Ah, mon dieu. Vous avez vu? Vous avez vu? Ça a bougé. Là, ici. Ah. Ah, secours. That looks like our ticket. That tank is leaking gas all over the place. That is a serious safety hazard, man. I wanted to test these first, but since we're waiving that safety step today anyway, you should be aware that I modified the Neutrona wand, which normally releases the particle stream. Wow, it's like Christmas game early. Earlier than what? I started Christmas. Whoa, c'est quoi cette histoire là? Oh! You guys might want to stand back. Et ouais, je crois qu'en fait on... J'allais dire, c'est parce qu'on a croisé les effluves en fait. Nicely done. Great job, kid. Yeah. Combustible gasoline. It's the future. L'essence combustible, c'est la vie. Once again on the Super Slammer. I dug it before. It's a prototype, Peter. You recall the memo from you about getting too many memos on prototypes? Well, I did write them. We mounted a high-expansion rapid-cycle multiple ghost absorber. It's faster and larger than our portable units. Am I in jeopardy? Ah non, commencez pas, hein. Commencez pas à spoiler. Si ça spoil, je banne. C'est net. But our exposure to interdimensional deities has been only marginal to date. Et si vous voyez un spoil, vous le supprimez avant que je le voie. Merci, quoi. Somebody needs a ghostbuster. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est modérateur ici. Eh, Matt. We should tie a pellet on his neck. Eh, Matt. Ah, attends, bouge pas. Oh putain, regarde-moi, c'est con. Ah, ça va, ça y est. 3 heures bloquées par un chiotte, quoi. Putain. Ici, la loi, c'est moi. La Judge Dredd. Wilson m'est remporté dans l'océan. Pourquoi Wilson? Y'a pas Wilson en plus. C'est Winston, pas Wilson, abruti. Ah non, mais tu parles de Wilson avec Tom Hanks, voilà. J'étais en train de me dire, mais non, c'est pas Wilson, c'est Winston. Qu'est-ce que tu racontes? Ruthless producers. They just reopened it last week. It's crackling. There must be something really bad about this place. Wilson! Grab a full scan! Good idea. We should probably have a look around. Je l'ai revu il y a deux ou trois mois, le film. Pas plus. Whoa, wait! Don't touch that. Je l'ai revu il y a pas longtemps. Black slime is a hazardous form of ectoplasmic residue. Toxic to both body and soul. Very dangerous. Egon and I haven't developed clothes and boots sufficient enough to insulate against the negative psychokinetic effects of this stuff yet, so be careful. In other words, the stains don't ever come out. Les taches partent pas au laveur. Watch yourself! Ah, raté. J'assisterai pas à Ban Chris si vous me cherchez. Oh. Boobs. Boobs fantomatique. Attrapez les boobs.
Oh putain, en plus y'en a pas qu'une. What's that supposed to mean? I'm a chubby chaser? I take out one plump girl on a blind date, like her personality, and you guys can't. Putain, ils sont passés à travers le mur quoi. Oh, je suis agressé sexuellement quoi. Par une viking fantôme chanteuse d'opéra. Allez, d'une. Oh putain, encore les gargouilles quoi. Il fait yèche quoi. Ils sont super durs à vaincre en plus quoi. xxx.com. Aïe 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 Chris. Tu sais que je pourrais te bannir pour ça. Même si c'est pas un vrai lien, je pourrais te bannir quand même pour ça. Juste pour le plaisir. tu vois juste comme ils font certains pour me sentir puissant sur le live, tu vois. Tiens, waouh, j'ai banni un pote à moi, je suis trop content quoi. Waouh, il l'a bien cherché. Ah, tu te logues en modo. Pff, ça va chier là. Attention, la loi est là. Boum. Ah, mais je peux leur envoyer des espèces de trucs comme ça dans la gueule. Boum. Par contre, bonjour le générateur, il prend cher. Tiens, bouffe. Oh quoi? Oh non. Et les deux qui sont dans la voiture, pépère, normal, vous pouvez pas descendre, non? Ah, j'hallucine. Les deux autres sont dans la voiture, ils branlent rien, quoi. Putain, genre, on a perdu parce que les mecs, ils veulent pas descendre, quoi. Ils souffrent, quoi. Oh, cette blague, quoi. Putain, je suis déçu, quoi. C'est la déception totale, quoi. Putain, mais descendez de la voiture, quoi. Bonjour, boum. Whoa, wait. Don't touch that. That's what I thought. Black slime. Black slime is a hazardous form of ectoplasmic residue, toxic to both body and soul. It's very dangerous. Egon and I haven't developed clothes and boots sufficiently to insulate against the negative psychokinetic effects of this stuff yet, so. On s'en fout de ton lien, t'inquiète. The stains don't ever come out. T'inquiète, on te verra pas. Tu es trop précieux pour la maison. Watch yourself. T'as vu des horreurs? Ah bah attends, t'as pas vu chez lui? Il y a des clowns. Tu devrais lui envoyer une photo de tes clowns, mec. Fais péter les clowns. I'm a chubby chaser. Plump girl, blind date, like her personality, and you guys can't let it go. Allez hop, c'est dans la boîte. Ok, je commence à comprendre par où elle rentre et par où elle sort. Je vais essayer de me concentrer un minimum, même si c'est très dur ici.
What? Run! Ah mais si, tu vas avoir peur de ces clowns, t'inquiète pas. C'est prévu, c'est prévu. Try again, kid. Aïe. On the right. Putain, la grosse là, il faut que je me la fasse. Il me la faut la grosse. Je vais me la faire, je vais me la faire. Voilà, ça c'est fait. Non, tu restes ici. Tu fais pas style. Oh putain, encore j'ai perdu, t'es sérieux là? Oh, c'est une blague. J'ai beau regarder des films ou autre, rien, pas de réaction. Ah. J'ai une autre photo chelou sur mon tel. Mec, s'il te plaît, tais-toi. Et dis pas des choses comme ça, quoi. Parce que là, ça sent les gros dossiers qui arrivent, quoi. Alors, tu vois, Human Centipede, le premier, est dégueulasse. Mais ça va, ça se tient pour un film d'horreur. Par contre, Human Centipede 2, c'est le malaise total. Vraiment, quoi. Avec le mec qui travaille comme gardien de parking, là, ça a été le malaise. Moi, des fois, j'ai des scènes qui me reviennent en tête, n'importe quand, tu vois. Et je me dis, mais putain, quel malaise ce film, en fait, quoi. C'est un... Watch yourself. J'ai pas vu le dernier, et franchement je veux pas le voir parce que c'est bon quoi. Après avoir vu le 2, j'ai dit c'est bon, plus jamais quoi. T'inquiète, j'ai pas mal de photos de toi, voilà. Look out, a bird is singing. She's so old. Looks like an opera singer. And a hefty one back. Peter, you better take her. What's that supposed to mean? I'm a chubby chaser? Et n'empêche, avec le regain d'intérêt pour les fantômes, les trucs comme ça en ce moment, je sais pas si vous avez remarqué, mais la majorité des séries en ce moment parlent de ça, quoi. Ou même les jeux vidéo qui sortent sont assez dirigés sur ça, quoi. C'est comme avant, il y avait la mode des zombies, là maintenant il y a la mode des fantômes. On sait pas pourquoi. Je l'ai raté. Tiens, bouffe. Attends, il faut que je les sauve là, vite. Venkman, vite. Wow, j'ai pris la gueule. Attention à ce que vous commencez à dire sur le chat, les gens. Restez respectueux les uns des autres. Et me sortez pas trop de conneries sexuellement parlant, désobligeant, quoi. Attention. Oh putain, je vais crever, vite. Attention, sinon vous allez m'obliger à vous recadrer. C'est la faute à Chris. Allons-y, trouvons un coupable. Chris. Ouais, mais Matt, il respecte personne, c'est bien connu, quoi. Pour qu'il te respecte, il faut être un membre de sa famille. Toi, c'est pas ton cas. Peut-être un jour il t'adoptera. C'est, on sait jamais, hein. Ça peut arriver. Hein. Si tu le payes en bière. Moi, il suffit de lui acheter un beau collector de bière, tu vois. Un beau set bière avec les verres et tout, là. Je pense qu'il peut peut-être t'adopter après. Ça peut se faire. T'es son fils caché. Hein. Alors là, ce soir, tu m'apprends quelque chose. Allez, dans la boîte, la grosse. Mon dieu, il fait de la grossophobie, aïe.
total photonic reversion. More trouble! Allez! You play hardball, Rook! Dans la voiture! Impeccable! Find some cover! Je suis là! Je suis là! Putain, c'est clair! Ouais, Chris, s'il te plaît, gaspille ton pognon! Achète des 666 un peu, quoi! Achète des bières d'hommes, de la piste de Bruce Dickinson, quoi! Cette scène elle est interminable, oh, c'est un truc de fou quoi. Tu veux quoi, le monstre ou la planète de Iron? J'ai pas compris. Hop. Alors qu'est-ce que je peux acheter là? Alors qu'est-ce que vous marquez un peu sur le chat? Achète-moi des bières d'Iron Maiden. Je t'achète plutôt une fabrique, putain, une fabrique à bière Iron Maiden. Pouah, la classe. Grossophobie, tu as quoi de contrôler, gros? J'ai plein de choses contre les gros lait, quoi. Tu vois, moi, c'est ça qui me gêne, les gros lait surtout. Je les supporte pas sur le chat, tu vois. C'est rien que le fait qu'ils soient là, tu vois, déjà, j'ai frisson, tu vois, ça me révulse. Alors, surcompression, pardon. Il était au dégâts boson. Ouais. Ouais. Je vais mettre ça à 14 000. Je suis riche. Hop. Putain, j'en avais ramené pendant les vacances avec Rico, la pure soirée. Putain, c'est vrai que c'était bon. La bière est super bonne. Quoi. Là, dès que j'ai fini les travaux et compagnie, que je fais mon bar bien comme il faut, je les aligne toutes. Je m'achète le coffret collector. Allez, à boire! À boire! À boire! Say, is that you? It's hard to miss. Oh, la voiture! Egon, how close do we have to get the big trap to reel him in? A lot closer than this. What's he up to now? He's looking for something. Is he looking for something or someone? Il veut Dan Aykroyd. If you can see behind me, the streets are in absolute chaos. Authorities are doing everything they can to quell the. Putain, ça aurait été très bien, très bien, moi, trop bien, qu'on puisse jouer Bim Dum Chamallow dans les rues de la ville, quoi. J'aurais surkiffé ma race, quoi. This is not the Stay Puft we've come to love. Fortunately, the Ghostbusters have arrived to put everything back to normal. Ah, les super-héros. It's damaged. I've got to fix it or we won't stand a chance. La classe. Attends, il faut que je boive un coup. Moi aussi, mais avec la confit, j'ai pris encore plus. Ah, oh, bravo. Faut profiter du confinement pour faire du sport, les gens. Comme ça, quand vous sortez du confinement, vous serez beau, athlétique. Ou belle. Voilà. Et voilà. Et les gens diront, waouh, mon Dieu, mais comment tu as fait? Et vous répondrez tout simplement, mon cancer. Oh, Times Square est super bien faite, quoi. Tiens, bouffe ça, quoi. Putain, je viens d'avoir une idée stupide. Je sais pas si Matt a eu la même que moi, mais... Non. Ah si, attends. je peux le faire. Attends. Oh merde. Je voulais essayer de dessiner une bite sur le Bim Dum Chamallow, quoi. Je sais pas si c'est jouable, mais... Attends. J'y arrive pas. oui. Oui. Je peux dessiner une bite sur Bim Dum. Je peux y arriver.
Bah tu m'étonnes. Par-dessus la troisième corde. Nice boson. That really dinged him. Great job. Now see if he wants some more. C'est du chamallow grillé, quoi. I'm funny too, you know. Wow. Après, on dit que je parle du contenu sexuel. Stick close to me and as far away from him as you can. Oula, 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 oula. Oh, pardon, il a failli m'écraser, mais... Non, non, faites du sport, c'est très important, quoi. C'est, faites pas les marioles avec ça, quoi. Le corps, après, il, quand il subit trop, c'est irrécupérable, les gens. Écoutez, écoutez-moi avec Matt, nous sommes des experts diététiques. On sait de quoi on parle, nous, au moins. Voilà. On n'a pas de chaîne YouTube de fitness, de remise en forme. Nous, on boit, on bouffe, mais voilà quoi, on est en bonne forme. Enfin, du moins, on n'est pas en surpoids, quoi. Wow, c'est le bordel sur Times Square, quoi. Pepper him with boson darts. Ah, je connais un sport, mais c'est le meilleur sport qui soit. Je crois que je le connais aussi. Je le connais aussi, celui-là. Et j'arrête pas de dire à ma femme que c'est un sport qui se joue à 11, mais elle veut pas l'entendre. Elle veut pas l'entendre. Elle m'a dit non, c'est K2. C'est... Ah bon, ok. Apparemment, les règles de sport ne se changent jamais. Donc, c'est comme ça. Putain, mais il en a pas marre de balancer de la merde. Il me donne faim en fait, quoi. Je vois tous ces chamallows qui parlent. Non, et puis 11, ça fait beaucoup. Ça fait trop. Faudrait qu'on soit 50. 100. Dans tout Times Square. Solidarité féminine. No sudden movements. Oh, j'ai mon dos qui me lance, la folie. Le jeu a une durée de vie de combien, quoi? Je suppose qu'il doit avoir même pas 5-7 heures. It's not alone. Uh-oh. He didn't find what he was looking for on the bottom floors. Come on, we've got to get to the top floors. All full, going up. He just passed gas. Catch the next one. J'ai des gaz. We handle foul vapors all the time. Let's stay in for lunch, you said. Why leave the building, you said. It'll be quiet, you said. You know you're fired. You're right. I secretly knew our lives would be in danger and thought, hey, I'll make sure I trap Mark with me inside an elevator! Excuse us. Stay with me, Haas. I'm sure there's more fun up ahead. Oh,
Oh putain, paye tes dégâts matériels encore. Oh, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Ah, ça s'excite. Oula, je vois des choses voler, bouger. Uh-oh. No sudden movements. Okay, it sure got quiet all of a sudden. Oh, il m'a fait peur. Boom. Putain, paye tes dégâts encore, quoi. C'est chaud là, le jeu il s'excite d'un coup là. Le mec il me donne des conseils mais qui est à terre. Et voilà, bravo quoi. Oh putain. Putain. Et j'ai tenu 3 minutes sans juron hein, depuis le début du jeu. Faudra vérifier au ralenti, mais je suis sûr avoir tenu 3 minutes sans juron. Toute l'introduction, quoi. Je suis persuadé. Ah, mais le mec, il conserve sa santé mentale, en fait. C'est abusé, quoi. J'ai le jeu. No sudden movements. Okay, it sure got quiet all of a sudden. They're in the fence! They're in the fence! Putain, quelle bande de bâtards, quoi. Vous êtes pour le jeu, pas pour moi, quoi. On a la commu qu'on mérite, quoi. Putain. Ouah, mais je me fais violer, quoi. Calme. En fait, il chauffe trop mon appareil, quoi. C'est abusé, quoi. Relève-toi, relève-toi. On veut Rico en fantôme. Non, non, moi en fantôme, laisse tomber, c'est même pas la peine. Tu pleureras le jour où je serai en fantôme, abruti. Bonne soirée à toi, merci d'être passé, merci pour le follow, et hésite pas à venir sur le Discord. Ça sera sympa, je pense. Ciao, ciao, bonne soirée. Il est trop beau. Pandemonium up here. Chunks of the building missing everywhere. You are required at the site now. So happy to be in demand, but these sugar balls have got me nailed down. I can't get past them. They're disgusting and they're unhealthy. Ah, did I mention there's a spectacular... Ah voilà, je me disais, j'ai bien vu quelque chose sur le tableau, quoi. Showtime. Showtime. Somebody help me. Easy now, miss. Just relax. No sudden movements. It's perfectly safe now. Sudden movements! Sudden movements! Putain, vous m'avez fait carnage, les gars.
sur le chat. Allez, maintenant vous communiquez plus que par emote. Je le veux, je le désire. Pouah, c'est beau Manhattan, quand il y a des fantômes. Nothing to worry about, folks. Ah, lui, il est content, il se retrouve avec une gonzesse encore. Mais je crois que c'est la même que tout à l'heure en plus, non? It's okay. Dr. Venkman has you. You're fine. You didn't spill your coffee, did you, Peter? Ray, I got coffee for all of us. But the little monster spilled it. And what's the story with those things anyway? Was that a manifestation of Gozer? Yeah, probably. It just may be. Could be. Would you like to take the most direct route out of here, or the scenic route? It's ladies' choice. There's a stairwell over here. Ah, il y a plein d'emotes qui pop sur le sur la fenêtre, quoi. Yeah, grace under pressure. I appreciate that in a lady. Okay, Slugger, oh, des fantômes sur l'écran qui apparaissent. Tubby Soft Squeeze out there figures out what we're up to. Des manifestations étranges, mystérieuses. I think Tubby Soft Squeeze has dog ears, Ray. Pew 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 pew. Allez, on suit du bâtiment. We're not getting out of here that way. Well, it was a good plan for a second. Okay, let's think. What did people do before stairs? Was it ladders or just jumping from the top? Oh. Go up then, to the roof. Oh. Well, hello. Hello. Stay puffed, spotted us. Hello. Boom. Putain, vous me pourrissez mon stream, quoi. Il y en a partout, quoi. Oh, ce carnage, quoi, putain. Come on, let's go. Voilà, viens ici, viens. Ah ben, impec. Tu restes dedans. Voilà. On est bon là. T'es encore. J'ai réussi. Allez, bonne nuit à vous les gars. Merci, merci d'avoir animé le stream ce soir. C'était cool. C'était cool. Allez. Voilà, nickel. Ouais, c'était un véritable bordel. Bien joué, quoi. Mission accomplie. Get out of here.
not friendly. I'm on your team. You've got him on the ropes. Allez, approche. Voilà. Nickel. Strong signal. Oh. Il était beau. That's how you do it. Great job, you guys. Ah, free s'mores for everybody from 54th Street to 5th Avenue. Happy Thanksgiving. There he goes, the big evil sailor all the way to the... Oh, not quite, didn't make it. Hey, Ray, say three guys the size of your finger knocked you off the side of a 30-story building and you had to climb all the way back up to tear them apart. How mad would you be at those three dinky types? I'd go with mighty pissed. Okay, and throw in a sugar high, too. That giant blue and white toy man thing, or whatever, is still coming. It's climbing the building. Ouais, on avait tous compris. With his agility, considering his complete lack of bones. Good news. We've got the Super Slammer back on pulse and Ecto-1 is rolling. We're repositioning now. Can you hold the Stay Puft there for a few minutes? If by few you mean less than one, then sure, we can do that. Hey, did somebody tell you it was break time? No sweat, kid. We've got you. Well, as long as you're down there, would you see if you could knock off Mr. Sweetness? Oh, excellent. Pas mal, ça. La vue comme ça est géniale. All right there, Sunshine. Are you okay? You're all strapped in. We've got a good tight grip on your belt. Here he comes. The Big Daddy manifestation himself. A raging blob of densely packed marshmallow. Oh, boy. Melt them, Chief. Give him full stream! He's right, rookie. Your health insurance doesn't begin for another 89 days. More of those minis. How many can he generate? From 200,000 square feet of solid marshmallow? Probably 60. Merde, j'avais pas vu les autres. J'ai pas vu les autres chamallows là. Boom, tiens. Tiens, merci mec. Bonne nuit à toi. Merci d'avoir animé le stream. Putain, ça se voit, il a pris cher là. Il a une sale gueule. Ciao, ciao, mec. A plus. Oh, dans la bouche. Bouffe. Putain, les tronches qu'il fait. Hein. Les animations du Bibendum, elles sont vraiment cool. Hein. Boom. Ah, il va tomber. Il y en a partout. Kill my dessert. Scoreboard reads Ghostbusters 2. Gozer the Gozerian 0. Looking like a real big leaguer out there, champ. Ray, Peter, we're in position. The trap is set. We're prepared to capture. Il neige. Je dis chamallow. He's that white puddle you're driving through. Timing's off by just a hair, Egon, but we're glad the trap is working again. I guess I owe you guys my life. She's clean. How do you feel? Pretty good. All extremely weird things considered. So far, just another screwed up day at the office. You know, I never forget a face attached to all the rest of that. I think we met earlier at the Sedgwick Hotel. You gave me the sideshow chicken drop. My name's Alyssa.
Dr. Alyssa Selwyn. And I am Dr. Peter Venkman. And that's Egon. It's Ray Winston, and you met him. Uh-huh. The Ghostbusters. Have you ever been involved in this type of quantum temporal rift event before? A quantum what? It's called arcing, a large pulse of psychic energy. Actually, yes. I was at the museum. A pulse of blue light surged through the building. And then I was standing outside a room on the 13th floor of an old hotel. The Sedgwick. The Sedgwick doesn't have a 13th floor. It was pulling me like a magnet. I felt as though I was in a deep dream. I came to and ran over here. Here? It's a temporary office while I'm in town. I came to do some research after I woke up. We'd like you to come to our lab so we can run some brief tests and ask you more questions. Here's an easy one. Would you like to go out for Thai, Mexican, Japanese? Wow, Dr. Venkman. That time you almost went 45 seconds without saying something abrasive. Want to try for a whole minute next time? A doctor, and a fiery one, too. Charming. So charming. Allez, je pense que on va s'arrêter là. Pour une première partie, c'est déjà pas mal. Super jeu. Excellent jeu, j'ai envie de dire. Je m'attendais pas à ça. Ça a la gueule d'un jeu d'aventure, action. Les contrôles sont simples. Je m'attendais pas à devoir fighter autant de fantômes que ça. Bon, par contre, c'est très linéaire. C'est très couloir. Peut-être le défaut du jeu, en fait. D'avoir fait un jeu d'action-aventure couloir et assez générique, en fait, dans le scénario. Je trouve ça un peu dommage. J'aurais préféré peut-être quelque chose d'un peu plus ouvert. Genre dans The New York, où on voit les gens s'enfuir en plein milieu de la rue parce qu'il y a un fantôme qui mange des hot dogs ou des conneries comme ça, avec la possibilité de rentrer dans quelques bâtiments, quitte à y revenir plusieurs fois, c'est pas grave, mais et que justement les dégâts que tu fais imputent sur le salaire que tu vas avoir, et ça aurait pu être pas mal, une sorte de semi-open world comme ça, j'aurais surkiffé, mais bon. C'est déjà pas mal qu'un jeu SOS Phantom soit déjà gratuit sur Epic, ça c'est cool. Et voilà, ce soit assez, soit complètement fidèle, soit pas raté, parce que pour le coup c'est pas raté du tout. C'est très fidèle, les sons sont fidèles, tout est fidèle quoi. On sent qu'ils ont pas voulu prendre trop de liberté, qu'ils sont allés piocher en fait dans les deux films. Histoire de pas être trop de pas dépayser le joueur et de dire voilà tu veux acheter un jeu Ghostbuster, ok, pas de souci, voilà, on te met ce pourquoi tu veux acheter le jeu et puis c'est bon quoi, ciao, casse-toi, voilà. Y a pas de vraie prise de risque, c'est un jeu commercial quoi, vraiment. C'est, mais quelque part, est-ce que c'est pas ce qu'on demande réellement quoi, voilà. Bon, eh ben, première partie du jeu, ok. On se reverra, j'imagine, demain pour la suite. Sur ce, je vous laisse, je vous dis bonne nuit et à plus, à la prochaine.